Je suis en compagnie de Daniel Lucchesi pour parler de jeux Game Boy Advance. Bonjour Daniel. Bonjour François. Alors on en a essayé passablement au cours des dernières semaines. Parlons d'abord de ta sélection, là. Qu'est-ce que tu as retenu? Donc premièrement, Fire Emblem, qui est un jeu, c'est une série japonaise qui est maintenant portée en Amérique. Donc ça se trouve être le prologue de la série. C'est un jeu de stratégie à combat par tour. Donc vous êtes comme un peu sur un échiquier, vous contrôlez vos personnages et le but, c'est souvent de détruire un ennemi, d'aller prendre possession d'un temple. Différents objectifs. C'est un jeu qui est donné par Nintendo et on doit le dire, d'un point de vue technique, là, c'est pas nécessairement le plus beau jeu du Game Boy Advance. C'est pas super beau, mais comme Nintendo, c'est la jouabilité qui est importante. Donc, on a atteint l'objectif. C'est un bon jeu, c'est simple et c'est un jeu qui dure longtemps. Donc, un bon facteur de rejouabilité. Dans le même genre, donc jeu de rôle, on a Squaresoft qui nous arrive avec un jeu qui s'appelle Sword of Mana, mais ça c'est une reprise d'un vieux jeu. Hein? C'est une reprise de Final Fantasy Adventure qui est paru précédemment sur Game Boy, la première Game Boy. Donc c'est un jeu de rôle et d'action, aventure. Donc vous incarnez deux personnages, vous avez un choix au début du jeu, vous choisissez votre personnage et le scénario va diverger dépendant de votre personnage. Donc, vous combattez des ennemis en temps réel, vous avez une multitude d'armes que vous pouvez accumuler, des magies. Donc, c'est un vrai jeu de rôle. Et c'est réservé à quel auditoire, là? Aux fans plus d'action? Aux fans de la série, je dirais, de Mana, là, parce que ça fait aussi partie de la série Mana. Donc, les jeux d'action, un peu comme Zelda Link to the Past. Okay. Et là, on va changer complètement de catégorie. Un jeu de rallye, pourquoi pas? Il y en a un très bon qui est paru. Oui, Top Gear Rally. Donc, c'est un jeu de simulation de rallye. Donc, l'importance du jeu est toute dans le dérapage. Les contrôles sont super bien réalisés. Les tableaux sont super beaux. On a droit à un visuel en trois dimensions. Donc, c'est assez surprenant pour la Game Boy Advance, les performances qu'on a. On a la possibilité de modifier nos autos avant les courses. Donc, on peut faire toutes les petites modifications qu'un mécanicien pourrait aimer. Est-ce qu'il y a beaucoup de circuits? Oui, il y a 80 pistes. Donc, c'est un gros jeu encore. Et je présume que bon, il y a peut-être un mode multijoueur, alors si on veut avoir avec plusieurs modes, exactement. Ouais. Okay. Puis on va terminer avec un jeu qui est archi difficile de Capcom. Oui, c'est un jeu frustrant, Mega Man Zero. Donc la série Mega Man est reconnue pour être extrêmement difficile. Donc vous avez une multitude de missions. Le jeu est plus divisé en missions, donc dans Mega Man Zero. Le 2, on doit dire, c'est parce qu'il y a des jeux. Oui, exactement. Donc vous êtes dans une espèce de gros hangar et vous avez différentes missions à accomplir. Vous pouvez accumuler les pouvoirs des ennemis que vous tuez. Vous avez des petits elfes qui peuvent vous aider, qui sont des petites créatures qui peuvent augmenter vos statistiques de combat. C'est nouveau pour Mega Man Zero, finalement, d'avoir plusieurs armes. Et on doit le dire, visuellement parlant, là, c'est très abouti. Hein. Oui, c'est un jeu qui est super beau, de plateforme. Donc, c'est un jeu réussi, mais assez difficile. Merci beaucoup, Daniel. Merci, François. Moi, maintenant, de mon côté, je vous présente des jeux. D'abord, deux de la compagnie Vivendi Universal Games. D'abord, Crush Nightwalk Heart, un jeu de karting, évidemment. Il faut dire, dans ce domaine-ci, sur la Game Boy Advance, c'était le Mario Kart qui était le favori. Et là, évidemment, on arrive avec un nouveau jeu de cartes tout à fait similaire à celui de Mario, sauf qu'ils mettent en vedette les personnages de la série Crash. Alors, si vous êtes des fans de cette série-là, c'est peut-être un jeu intéressant. Sinon, là, au niveau du karting, ça laisse un peu à désirer au niveau de la maniabilité. Entre autres, au niveau des dérapages, c'est un petit peu difficile à contrôler. Bien entendu, il y a une quinzaine de pistes, donc c'est varié. Si vous avez vraiment le goût d'un autre jeu de cartes, ça peut être intéressant. Mais en dehors de ça, il faudrait peut-être passer par-dessus ce jeu-là qui n'est pas forcément une très grande réussite. Notamment au niveau de l'innovation, là, c'est presque identique à Mario Kart. Donc, vous avez des power-ups qui permettent d'attaquer vos adversaires. Vous avez des circuits quand même assez créatifs. Et visuellement, c'est moins beau. La profondeur de champ est très pixelisée. Donc, c'est difficile même de voir où on s'en va sur les différentes pistes. Par contre, Spyro, Attack of the Rhinox, est un peu plus réussi. C'est le troisième titre de cette série-là sur Game Boy Advance déjà. Et on doit le dire, ça, c'est une série qui s'adresse particulièrement aux enfants. On est Spyro le dragon. Et cette fois-ci, on est épaulé de deux personnages secondaires très amusants. On a une espèce de pingouin général, on a aussi un singe de l'espace. Alors, lorsqu'on incarne ces deux personnages-là, ça donne des situations différentes dans le jeu parce qu'au lieu d'avoir un jeu en perspective isométrique, on tombe en vue 2D et là, c'est plus classique comme style de jeu. C'est un jeu d'aventure, on incarne Spyro principalement, on a différents pouvoirs qu'on peut déferler sur nos ennemis. Donc maintenant, on a une attaque cyclone, on a l'œil du phénix, de nouveaux pouvoirs, une quinzaine d'environnements explorés. C'est très coloré, mais ça demeure simple. Donc les amateurs de plateforme, peut-être Mega Man 02, va être un peu plus intéressant si vous êtes vraiment là les purs et durs. Pour les plus jeunes, c'est Spyro. Pour les purs et durs, par contre, nous avons Max Payne qui est disponible sur cette console-là. Et oui, le jeu qui avait fait fureur sur PC il y a quelques années, qui a connu une suite durant les fêtes sur PC, Xbox et PlayStation 2. Le premier du nom est disponible sur Game Boy Advance et c'est une réussite technique assez impressionnante, merci, parce que imaginez-vous qu'on a mis 30 minutes de dialogue audio sur la cartouche de Game Boy Advance, donc toutes les séquences cinématiques du jeu où on nous présente l'histoire de Max Payne, ce flic déchu, qui nous est présenté et nous est narré, c'est très bien fait.
Au niveau du combat comme tel, bon, on a une quinzaine d'environnements dans lesquels on évolue. On a une dizaine d'armes qu'on va récupérer et le fameux bullet time qui permet de ralentir l'action pour tuer les ennemis. Et croyez-moi, il y en a des ennemis, des tonnes et des tonnes, des centaines d'ennemis à abattre durant ce jeu, un véritable bain de sang. À la fin du jeu, lorsque vous avez peut-être complété le jeu en dans 2-3 heures, ce qui est quand même assez court, vous avez le droit à des nouveaux modes de jeu, Dead Man Walking, New York Minute, qui donnent un petit peu plus de rejouabilité. Alors c'est peut-être plus un jeu à louer qu'autre chose, parce qu'il faut vraiment le voir pour le croire, là, il y a une belle prouesse technique sur le Game Boy Advance. Et je termine avec un jeu de Sims, de cette série légendaire qui connaît un énorme succès sur PC depuis de nombreuses années. The Sims Busting Out sur Game Boy Advance, eh bien, c'est parfait pour les fans de cette série-là et même pour les gens qui ne la connaissent pas parce que c'est très différent de ce qu'on a connu jusqu'ici parce que cette fois-ci, on contrôle directement un Sim avec le contrôle, le D-pad du Game Boy Advance. Alors, c'est facile de l'envoyer faire ses différents besoins de la journée, de le divertir, de faire ses mini-jeux également parce qu'on inclut une portion mini-jeu non négligeable dans ce jeu-ci. Et ce qu'on peut faire de particulier dans cette série-là maintenant, c'est de sortir de sa maison parce qu'au début, on commence chez son oncle dans la grange, à prendre une maison et ainsi de suite. Mais là, on peut sortir du village pour aller explorer les environs, rencontrer différents personnages avec qui on va nouer des relations parfois tendues, parce que l'humour est très présent dans ce jeu-là. On peut vraiment là se marrer des autres personnages et leur dire toutes sortes de répliques amusantes. Alors, pour les amateurs de la série de Sims, c'est vraiment une très belle découverte. Cette semaine, il y a un jeu qui paraît sur Game Boy Advance qui s'appelle Metroid Zero Mission. C'est un jeu auquel, moi et Daniel, on va certainement jouer. Alors, on va se laisser sur des images de ce jeu.